Bonsoir à tous. Nous allons voir maintenant un exercice de synthèse concernant l'estérification et l'hydrolyse. Alors, cet exercice, je l'ai pris d'un manuel scolaire, okay, en arabe, et je l'ai traduit en français. Alors, voilà l'énoncé de l'exercice. Ok, donc pour l'exercice, donc vous devez faire un scan d'écran pour garder l'exercice et essayer de le résoudre. Bon, après que vous avez révisé la leçon concernant l'estérification et l'hydrolyse. Bon, je vais lire l'énoncé. Voilà, exercice estérification. Pour synthétiser l'éthanoate de 3-méthylbutyl, on prépare N1 égale à 0,1 mol d'un acide carboxylique et N2 égale à 0,1 mol d'un alcool. La première question. Donnez les formules semi-développées de l'acide et de l'alcool utilisées dans cette synthèse ainsi que leur nom. La deuxième question. Écrire l'équation de cette réaction, ça veut dire la réaction qui a abouti à la formation de, ce ester. Bon, la troisième question, le suivi de cette réaction au cours du temps est réalisé par le titrage de l'acide restant. Okay. Ça veut dire à chaque fois, donc voilà le tableau des mesures, donc on fait des prises de volume du système donc après 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, ainsi de suite, et on titre l'acide restant après qu'on met l'échantillon pris dans de la glace pour amortir l'équation, ça veut dire pour stopper s'il y a des éventuelles réactions chimiques. Ou bien on prépare des béchers, okay, ou bien des tubes à essai dans lesquels on mélange un volume de l'acide et un volume de l'alcool. Bon, ça veut dire ou bien les quantités de matière de 0,1 mol d'acide et 0,1 mol de l'alcool. Et puis, on laisse le système évoluer, ok. Donc le premier tube à essai qu'on a préparé, on fait le dosage immédiatement de l'acide, ok, et ou bien on sait d'avance la quantité de matière d'acide qu'on a mis, 0,1 mol, et après 5 minutes, on a combien de mesures? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça veut dire qu'on prépare 10 tubes à essai, ok. Et le premier tube à essai, on fait le titrage de l'acide à l'instant 5 minutes. Le deuxième à l'instant 10 minutes. Ainsi de suite jusqu'à le dernier tube, on fait le titrage de l'acide à l'instant T égale à 90 minutes. Et voilà, ici, on déduit l'avancement X et on a ici donné les valeurs correspondant au titrage de l'acide restant aux intervalles des temps qui sont affichés ici. La première question, petit a, concernant, donc toutes ces questions dépendent de la question 3. Alors, petit a, rappeler la définition de la vitesse volumique V de la réaction, ok. Petit b, comment évolue la vitesse de la réaction au cours du temps, donc justifier votre réponse. Petit c, déterminer l'avancement final de la réaction, ça veut dire X final. Petit D, en déduire le rendement de ce synthèse. Et la dernière question, que peut-on conclure de ces résultats? D'accord? Alors, je vais faire, ou bien je vais donner la solution. Bon, je vais commencer par la question numéro 1. Donc, voilà, donc faites une prise d'écran ou bien scannez l'écran pour que vous aurez les questions avec l'énoncé. Bon, moi je vais effacer. J'ai déjà les questions sur le manuel scolaire. Donc commençons par la question numéro 1. Voilà, donc je vais effacer tout. Voilà.
Alors, la question numéro 1. Donner les formules semi-développées ainsi que les noms des alcools, de l'alcool, pardon, et de l'acide carboxylique. Ok, donc je vais réécrire le nom de l'ester, donc ici solution. Solution. Alors, l'ester, voilà son nom, donc éthanoate. Éthanoate. Bon, pardon, éthanoate. 3. Bon, éthanoate. 3 méthyl butyl. Éthanoate, donc toujours, je dois dire éthanoate 2. Puis le nom, le numéro de carbone sur lequel est fixé l'alkyle, qui est le méthyl, et puis la chaîne principale. Donc, c'est pas de l'éthanoate, mais du radical qui est lié à l'oxygène avec liaison simple. Donc, méthyl butyl. Voilà le nom de notre ester. Donc, je dois donner sa formule semi-développée, ok, pour que cette formule me facilite la connaissance, ok, ou bien la devinite de l'acide et de l'alcool qui ont réagi et donné cet ester. Alors, éthanoate, donc je commence par la chaîne principale de l'éther, donc CH3, ok, éthanoate, donc deux atomes de carbone, CH3C, et voilà le carbone fonctionnel, donc il est lié à l'oxygène par une liaison double, et par la deuxième atome, ou bien le deuxième atome d'oxygène, par une liaison simple. Puis, donc ici j'ai butyl, alors j'ai 4 atomes de carbone, donc C et C. Et puis je vais compléter, mais avant je dois numéroter la chaîne. Alors toujours la chaîne, on la numérote du côté de carbone, ça veut dire le carbone fonctionnel, voilà le carbone fonctionnel, c'est lui qui doit avoir le numéro 1. Donc ici j'ai 1, 2, 3 et 4, d'accord? Alors le méthyl est lié au carbone numéro 3, voilà CH3. Voilà. Donc ici, pour compléter les liaisons, alors toujours le carbone est tétravalent, donc au maximum il peut établir 4 liaisons covalentes simples. Ça veut dire qu'il doit être entouré de 4 doublés électroniques. Ici, donc, il manque combien de doublés électroniques? Bon, ici, je dois mettre tout d'abord un atome d'hydrogène et les deux liaisons avec les deux atomes de carbone. Donc, ici, CH, voilà. Alors, pour ce carbone-là, donc, je dois mettre tout d'abord cette liaison carbone-carbone et puis, je vais ajouter les doublés manquants. Donc, ici, il manque deux doublés. Donc, il les réalise à l'aide de l'établissement d'une liaison avec deux atomes d'hydrogène. Donc, ici, H2 et ici, bien sûr, donc, CH2. Voilà. Bon, voilà notre ester, éthanoate, voilà, éthanoate, 3, méthyl, butyl, butyl, 1, 2, 3, et cet atome-là, je dois mettre 3 atomes d'hydrogène. Donc, à partir de cette formule, je peux déduire l'acide et l'alcool correspondant, ok. Donc, cette partie de la molécule, ok, elle provient de l'acide, donc provient de l'acide. Alors c'est l'astuce que j'utilise pour déterminer l'acide et l'alcool. Et cette partie-là de la chaîne ou bien de la molécule, elle provient de l'alcool. De l'alcool. Okay. Donc l'alcool, après qu'elle a perdu son groupe fonctionnel ou bien son groupe caractéristique qui est OH, donc il s'attache à cet oxygène et ici l'acide, il a déjà perdu son atome d'hydrogène. Alors donc l'acide, c'est évidemment, donc ici O, je dois ajouter H et je dois écrire
Donc voilà, on est pour la première question, acide, ok. Voilà, donc l'acide c'est CH3, COOH. Alors le nom de l'acide, deux atomes de carbone, ok. Donc je dois tout d'abord précéder le nom par acide, toujours acide au début, et deux, c'est-à-dire état. Et puis l'acide, on ajoute le suffixe "-ic", éthanoïc, éthanoïc. Voilà. Pour l'alcool, ok. Alors l'alcool, donc voilà le morceau de la chaîne qui provient de, ou bien le tronçon de la chaîne qui provient de l'alcool. Alors je dois ici ajouter tout simplement OH, ok. Donc le groupe hydroxyle, ça veut dire OH, il y est à ce carbone-là, ça veut dire le carbone numéro 1, ok. Et j'obtiens, donc je vais commencer par là, CH3, ok. CH3, donc ici H, CH2, alors CH2, ok. Et la quatrième liaison simple est établie avec le groupe caractéristique de l'alcool qui est OH. Alors ici, je dois numéroter ma chaîne carbonée pour donner le nom de l'alcool correspondant à cette molécule. Donc toujours, je dois commencer la numérotation du côté du carbone fonctionnel. Voilà le carbone fonctionnel. Donc le nom c'est quoi? Donc je vais commencer par numéroter. Donc j'ai dit 1, 2, 3 et 4. Alors le radical méthyle il est au carbone numéro 3. Donc je commence par 3-méthyl, ok. Et là j'ai la chaîne principale qui contient 4 atomes de carbone. Donc méthyl, butane. Donc j'enlève le E, je mets le numéro, okay, du carbone fonctionnel, c'est 1, et puis je termine le nom avec le suffixe OL. Voilà, d'accord. Bon, la deuxième question, il nous demande de écrire l'équation de la réaction chimique. Donc, pour écrire l'équation de la réaction, les réactifs sont l'acide éthanoïque et l'alcool 3-méthylbutane-1-ol. Donc, je vais réécrire de nouveau les équations ou bien les représentations ou bien les formules semi-développées, ok. Donc je commence par la formule développée de l'acide CH3COOH plus l'alcool. Donc je peux commencer l'alcool par OH. Donc ici j'ai OH, CH2, CH3. Alors donc là, l'acide perd son l'atome d'hydrogène, tandis que l'alcool perd le radical hydroxyle OH, et ce carbone se fixe ou bien établit une liaison avec l'oxygène. Ok, ça veut dire, comme j'ai dit, on a enlevé l'eau, ça veut dire H2O de ces deux molécules, et on obtient. Ok, donc ici on a deux flèches parce que la réaction elle est réversible, et on obtient CH3, ok, CO, alors O, CH2, voilà, O, CH2, CH2, CH, CH3. Donc plus H2O, plus H2O. Donc on a vu que cette réaction, c'est une réaction très limitée, ok. Ce sont les caractéristiques de la réaction de l'estérification et même de l'hydrolyse. Ce sont deux réactions très limitées, ça veut dire, très lentes, ok. Donc ils prennent
un temps très grand, bon, des heures et des heures, ok, dans les températures ambiantes, donc on peut arriver jusqu'à 150 heures pour arriver à l'équilibre. Et ils sont limités, ok, et aussi athermiques. Athermiques, ça veut dire qu'ils ne produisent pas la chaleur, ça veut dire, et même ils ne consomment pas de la chaleur, ça veut dire qu'ils sont athermiques, ils ne produisent et n'absorbent pas de l'énergie. Et à l'état de l'équilibre, cet équilibre, ok, donc c'est un équilibre dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire équilibre dynamique? Ça veut dire qu'à l'état final, l'estérification et l'hydrolyse ne s'arrêtent pas. Ils continuent à se dérouler. Mais les quantités des matières des différentes espèces présentes dans le système réactionnel restent constantes. Okay, restent constantes. Ça veut dire que la vitesse de l'estérification est égale à la vitesse de l'hydrolyse. Okay, donc cet équilibre est qualifié de l'équilibre dynamique. C'est ça le sens de dynamique. Parce que vous pouvez vous attendre à une question, quel type d'équilibre, okay, est-ce que c'est un équilibre statique? Non, c'est pas du tout. C'est un équilibre dynamique. Ça veut dire qu'il y a les deux réactions de les deux sens, mais la vitesse, okay, d'estérification est égale à la vitesse de l'hydrolyse. Ça veut dire la vitesse dans le sens direct égale à la vitesse dans le sens indirect. Et comme ça, les quantités de matière restent constantes. Bon, la question suivante, petit 3, voilà donc le tableau, vous l'avez chez vous. Donc, on doit tout d'abord représenter, ok, donc peut-être cette question, je ne l'ai pas citée, mais vous devez représenter les variations de x de t en fonction du temps, ok. Donc, la question, je ne me rappelle pas si j'avais écrit cette question ou non. L'essentiel, je vais la réécrire, ok. Alors, la question, donc, 3, donc, voilà, petit ta, ok. Et maintenant, non, c'est la question 1, 2 et la question 3, petit a, petit a. Donc, j'ai donné le tableau des mesures et je ne sais pas si j'avais demandé de tracer les variations de, ou bien la courbe représentative des variations de x de, en fonction du temps. Okay. Si ce n'est pas le cas, donc je vais réécrire cette question. Donc, représenter. Graphiquement, x de t. Voilà la question. Bon, en choisissant une échelle convenable. Ok. Alors, pour l'échelle, donc, pour choisir l'échelle, toujours, je vois les abscisses, leur champ de variation. Alors, pour le temps, donc, il varie de 0 minute, ok, à 90 minutes. Donc, j'ai à représenter 90 minutes sur l'échelle des abscisses. Et pour les ordonnées, donc x, donc son champ de variation, il varie de 0 jusqu'à 6,7. 0, donc mol, donc jusqu'à 6,7 fois 10 puissance moins 2 mol. Donc, j'ai à représenter sur l'axe des ordonnées 6,7 10 puissance moins 2 mol. Okay. Donc là, je dois choisir une échelle convenable, okay, et je dois le choisir le plus grand possible. Okay. Alors là, donc, on peut choisir par exemple comme en abscisse, okay, donc 1 cm, okay, donc correspond par exemple à 10 minutes. D'accord ? À 10 minutes. Et là, donc, sur l'axe des X, j'aurai donc 9 cm. Et sur l'axe des Y, ça veut dire l'axe des ordonnées, donc on a 1 cm, ok, correspond à
bon, ici, donc 10 puissance moins 2 mol. Et comme ça, donc j'aurai combien de centimètres correspond aux variations de x. Donc c'est 6,7 cm. Okay. Donc soit que j'écris l'échelle comme ça, ou bien j'écris l'échelle ainsi. Donc cet axe, ok, ou bien ce vecteur-là a pour longueur 1 cm et celui-là a pour longueur 1 cm. Ok. Donc je la mesure avec ma règle et j'écris ici donc l'axe 10x 10 minutes. Ok. Et ici j'écris 10 puissance moins 2 mol. Ok. Donc deux façons de mentionner l'échelle sur votre feuille, ok, d'examen ou bien de devoir surveiller. Bon, donc pour moi, je vais tracer la courbe qualitativement, ok, mais vous devez prendre les mesures, ok, et représenter votre courbe, ok. Donc pour moi, voilà l'axe des y, voilà l'axe des x, ok. Donc je vais voir quand x sera constante. Alors ici j'ai x, pardon, ici c'est le temps t en minutes, ok. Et ici, x en 10 puissance moins 2 mol. Okay. Alors, la valeur finale de x, c'est 6,7 fois 10 puissance moins 2. Okay. Donc, 6,7, ici, par exemple, 6,7. Alors, en 6,7, la courbe admet une asymptote. Okay. Une asymptote horizontale. Okay. Voilà. Et à partir de 60 minutes, donc la courbe atteint la valeur maximale, ok, 6,7, ok, à partir de 60 minutes, ok. Donc ici j'ai, voilà, donc la courbe, ok, ne présente aucune variation, ok, voilà. Et entre l'intervalle, donc 6,30, à partir de 30 minutes, ok, donc voilà, 20 minutes, 6, ok, bon, 45, 6,6, ok, donc j'aurai, bon, voilà, quelque chose comme ça. Voilà, ok, voilà la courbe. Vous devez avoir cette allure-là. Bon, passons à la question suivante. Alors, la question suivante. Donc, rappelez la définition de la vitesse volumique. Rappelez la définition de la vitesse volumique, ok. Donc, on a vu la vitesse volumique dans les premières leçons de la chimie, donc lorsqu'on a étudié les transformations rapides et les transformations lentes. Et on parle de vitesse pour les transformations lentes, puisque les transformations rapides, ce sont des transformations spontanées. On ne peut pas mesurer leur vitesse. Mais les transformations lentes, ce sont ces transformations qu'on s'intéresse à leur vitesse. Ok. Donc, petit b, ok, la vitesse de réaction volumique, c'est le rapport de la dérivée de l'avancement de la réaction par rapport au temps divisé par le volume du système réactionnel. Ok, donc V égale à 1 sur V dx sur dt. Voilà. Donc un V, c'est le volume du système réactionnel ou bien chimique. Ok. Donc voilà. Donc je dois aussi. Donc vous pouvez écrire ça, mais vous devez mentionner le volume. Ou bien vous allez écrire tout court que le volume de la réaction et le rapport
de la dérivée de l'avancement de la réaction par Ponton sur le volume de la réaction et a pour unité, ok, donc l'unité de V, ok. Alors on ne respecte pas les unités internationales. Pourquoi? Parce que nous ici on a la vitesse en minutes, ok. Donc on peut mentionner l'unité en fonction de minutes, ok. Donc donc c'est dx sur dt, c'est mol, ok, mol, ok. Alors V c'est mètre cube ou bien mètre moins 3, ok, minute moins 1, minute moins 1. Voilà, ok. Donc si vous voulez mettre seconde, c'est pas grave, mais on préfère mettre les minutes parce que souvent on mesure le suivi de la réaction, ok, on le suit au cours du temps mesuré en minutes. Donc petit b, petit c, il nous demande quoi? Il nous demande de comment varie la vitesse? Justifiez votre réponse. Comment varie la vitesse? Pardon. Alors pour la justification, donc vous savez tous que au cours de la vitesse, au cours du temps, la vitesse diminue. Bien sûr, la vitesse elle diminue puisque les quantités de matière des réactifs diminuent. Et surtout pour les équations qui aboutissent à un équilibre, alors la réaction qui se déroule dans le sens 1 sera gênée par la réaction qui se déroule dans le sens 1. Okay. Alors ici, pour justifier une justification donc parfaite, donc je dois mesurer les pentes des tangentes à la courbe, puisque la vitesse c'est quoi? La vitesse dx sur dt c'est quoi? C'est la pente de la tangente à la courbe à un instant donné. Alors voilà, donc je vais par exemple mesurer la tangente, ok, à l'instant t par exemple égal à 75, ok, voilà, donc ici peut-être j'aurai 75, voilà. Pardon, 75. Donc voilà la pente. La pente, elle est horizontale. Voilà la pente. Pardon, la tangente, elle est horizontale. Et la tangente, à l'instant t égale à 0. Donc ici, je vais appeler t1, ici t2. Okay. Ou bien ici, je mesure la tangente. Alors donc, la vitesse diminue au cours du temps. Au cours du temps. Donc déjà, vous avez représenté les variations de x en fonction de t. Donc vous pouvez mesurer la tangente à l'instant t0, ok, et à l'instant t égale à 75, ok. Bon, si vous pouvez prendre une valeur ici, moi j'ai choisi les tangentes qui sont faciles, qui ont un calcul facile pour mesurer ou bien pour calculer leur pente. Ok. Donc la vitesse diminue au cours du temps parce que, ok, parce que la pente de la tangente à la courbe diminue en fonction du temps. Et voilà la preuve. Et voilà la preuve. Donc, à t égale à 0, à t égale à 0, donc on a tangente alpha 1. Donc, je dois la calculer. OK, tangente alpha 1, à quoi égale? Donc voilà alpha. Donc je prends deux valeurs. Par exemple, ce temps-là, ok. Ok. Donc vous avez déjà la courbe, ok. Et je fais donc delta x1 sur delta t1, ok. À t
égale à, par exemple, 75, ok, 75. Donc, tangente alpha 2 égale, alors ici, vous voyez que je prends, voilà la pointe, donc je prends deux valeurs, ok, voilà, par exemple, 60 et 75. Et deux valeurs de, et de, vous voyez ici que delta y égale à 0, ok. Donc, delta x2 sur delta t2 déjà égal à 0, ok. Et lorsque je compare ces deux pentes, je trouve que tangente alpha 1 est supérieure à tangente alpha 2. Tangente alpha 2, ça implique que donc dx, ça veut dire que d de x sur dt à l'instant t égale à 0 est supérieur à dx sur dt à l'instant t égale à 75 minutes. Et voilà la preuve, ok. Bon, donc je vais passer à la question suivante. Déterminer l'avancement maximal de, pardon, l'avancement final de la réaction. Ok. Bon, je vais continuer ici. Alors, pour déterminer l'avancement, alors donc je pense que ici on a représenté la courbe BC. Donc je pense que c'est la question. Déterminer, ok, donc AB, donc la question C, pardon, D, C, pardon, C, C. Alors, je dois donc déterminer la pente, ok, non, c'est pas la pente, mais X final, je dois déterminer X final. Donc, d'après la courbe, ok, vous voyez que X final, je l'obtiens lorsque t devient très très grand, ça veut dire qu'il tombe vers l'infini. Ok, donc x final, ok, donc je peux utiliser les outils mathématiques, égal à limite de x lorsqu'il tend vers l'infini, ok. Bon, pardon, t tend vers l'infini, de x de t, ok. Voilà, donc x final égal à, voilà, vous voyez que 6,7 fois 10 puissance moins 2, voilà, moins 2 mol. Voilà x final. Donc, petit c, petit d. Donc, on déduire, ou bien déduire des résultats précédents, quoi, le rendement de ce synthèse. Alors, tout d'abord, je vais écrire la formule de rendement, donc rho, soit on le représente par ρ ou bien par R, ok, donc égal à, dans ce cas il s'agit de, ça veut dire l'espèce qu'on désire synthétiser, c'est pas l'homme mais c'est l'ester. Alors donc égal à la quantité de matière expérimentale de quoi, de l'ester, ok, divisé par la quantité de matière théorique de l'ester. Donc, je dois déterminer N expérimental et N théorique. C'est pour cela que je dois dresser le tableau descriptif de la transformation ou bien de la réaction. Alors, tableau descriptif. Descriptif. Okay. Ou bien tableau d'avancement. Donc, ici, j'ai l'acide. Ok, acide. Plus ester, ok, donc équilibre, pardon, plus alcool, pardonnez-moi, plus alcool, acide, plus alcool, alcool, nous donne l'ester, plus l'eau. Alors, à t égale à 0, ça veut dire l'état initial, ok, qu'est-ce que j'ai? J'ai N1 égale à 0,1 mol. Ok, N2 égale à 0,1 mol, ça veut dire qu'on a un mélange équimolaire. Et l'ester, il n'est pas encore produit, donc 0, l'eau aussi c'est 0. Ok, donc vous voyez que l'eau égale à 0 parce qu'on n'est pas dans un milieu aqueux,
Ok? Ça veut dire que l'eau ici ne joue pas le rôle d'un solvant, mais d'un réactif ou bien d'un produit principal. Donc je dois mentionner ces quantités de matière comme les autres. Alors, à T final, donc N final de l'acide, ok, donc égal à N1 moins X final. Pour l'alcool, donc N2 moins X final. Pour l'ester, c'est X final, ici X final. Alors, je dois maintenant déterminer X, ou bien la quantité de matière expérimentale obtenue à la fin de la transformation. Ok, donc N expérimental de l'ester n'est autre que X final. Voilà, c'est ce qu'on a obtenu expérimentalement. Bon, ça veut dire N expérimental de l'ester égale à 0,67 mol. Voilà, donc 6,7 fois 10 puissance moins 2. Bon, pardon, c'est 0,07. 0,067. Bon, il fallait mieux que j'écris 6,7. Voilà, tout simplement. 6,7 fois 10 puissance moins 2 mol. Ok, pour ne pas me gêner avec les chiffres après la virgule, parce que j'aurai trois chiffres après la virgule. Ok, donc, et puis pour, voilà. Alors, N théorique. Bon, pardon, NTH de l'ester. Alors, comment on calcule la quantité de matière finale de l'ester théorique? Donc, on suppose que cette transformation est totale. Et on calcule l'avancement maximal dans ce cas. Okay. Et puisque les deux réactifs avaient deux quantités de matière initiale, deux quantités de matière initiale à l'instant T égale à 0, et puisque j'ai ici les coefficients stoichiométriques sont égaux à 1, alors les deux réactifs sont limitants, ok. Donc, N théorique, ok. Donc, on suppose que la réaction est totale. Ok, ça veut dire que N1 moins X max égale à 0 implique que X max égale à N1. Donc, application numérique, ok, X max égale à donc 0,1 mol. Ça veut dire 10 puissance moins 1. Ainsi, N théorique de l'ester, ok, égale à X max, ok, X max, ok. Et finalement, alors ou bien d'où le rendement rho égale à X max sur X final. Donc en fait, c'est comme le taux d'avancement, ok. Donc application numérique. Ok, donc on va trouver, je dois renverser. Ou bien inverser. Rho égale à X final sur X max. Voilà. Donc application numérique X final, c'est 6 fois 7, 10 puissance moins 2 divisé par 10 puissance moins 1, ça veut dire 6,7. 10 puissance moins 2 fois 10, ok, ça va donner 6,7 fois 10, donc c'est 67%. Donc le rendement, donc toujours, on peut le laisser comme ça, mais habituellement, on le multiplie par 100, ça veut dire fois 100, pour qu'on obtienne un pourcentage, ok. Bon, qui ne le multiplie pas par 100, c'est pas grave, ok. Donc le rendement, généralement, on le calcule en pourcentage. Mais ce n'est pas une règle à respecter. Ok, je peux donner le rendement sans pourcentage. Mais moi, je préfère le donner en pourcentage. Donc ici, je vais multiplier par 100. Okay. Et je vais obtenir 67%.
Donc, rho égale. Voilà notre rendement. OK. Donc, attention, pour ce rendement-là, c'est le rendement théorique, soi-disant. Donc, le rendement, parce que on calcule ce rendement juste à la fin de la transformation. On n'a pas encore extrait l'ester du système réactionnel, parce qu'on a... ici, on a les quatre espèces chimiques sont présentes, l'acide, l'alcool, l'ester. Ok, donc pour isoler l'ester, ok, donc on doit faire une extraction et ça va donc ça va pas cette extraction aura des pertes au niveau de la quantité de matière de l'ester. Ça veut dire une quantité de matière qu'on ne peut pas extraire. Donc, elle va rester dans le mélange. OK. Et si on veut calculer le rendement, le vrai rendement, donc je dois normalement calculer le rendement après la séparation de l'ester. Parce qu'on parle aussi du rendement pour les réactions totales. Les réactions totales qui n'aboutissent pas à un équilibre. Donc, le rendement, c'est quoi? C'est la quantité de matière de l'espèce ou bien qu'on veut synthétiser, ok. Donc cette quantité de matière est calculée après l'extraction ou bien après l'isolement de cette espèce du système réactionnel et on la divise sur la quantité de matière théorique qu'on peut obtenir. Ok, donc le rendement n'est pas lié uniquement au type de ces transformations, mais aussi pour les transformations totales. Ok, donc moi j'ai voulu dire que ce rendement-là, c'est le rendement qu'on a calculé juste à la fin de la transformation. Ça veut dire lorsque la transformation est arrivée à l'équilibre. Donc, on doit encore extraire l'ester et là, on aura un autre rendement qui sera nécessairement inférieur à 67%. Alors, pour la dernière question, donc, quelle est votre conclusion d'après ces résultats? Alors, tout simplement, notre conclusion, donc en comparant rho, elle est inférieure à 1, ça veut dire que la transformation n'est pas totale. Ok, la transformation n'est pas totale. Voilà, donc c'est ce qu'on peut écrire comme conclusion. Ok, alors pour vous, donc cette conclusion est acceptable parce que lorsqu'on a défini le rendement, on a défini le rendement comme suit. N expérimental, c'est la quantité de matière qu'on obtient à la fin de la transformation. Ok, ça veut dire d'après les mesures qu'on a fait à l'instant t égale à 90. Et N théorique, ok, donc ne vous gênez pas ou bien n'ayez pas de soucis en ce qui concerne les transformations totales pour le rendement dont j'ai parlé. Bon, ici donc tout simplement on peut écrire que pour la dernière question, donc A, B, C, D, E ou bien F, c'est, je ne me rappelle plus. Alors donc, puisque rho est inférieur à 100%, ok, implique que la réaction est limitée. La réaction est limitée. C'est la seule conclusion qu'on peut tirer de cette transformation. Et je rappelle que cette transformation elle ne se déroulait pas à température ambiante. Donc ici, soit on a utilisé un catalyseur, et souvent le catalyseur qu'on utilise, c'est l'acide sulfurique concentré, ou bien on a élevé la température du système, donc pour que qu'on obtienne l'équilibre au bout de 90 minutes. Sinon, si on n'utilise pas de catalyseur, température ambiante, donc l'équilibre est atteint après 150 heures. Okay. Alors, merci pour votre attention et à prochainement.